Mon premier cas avec Eric est un souvenir que je garderai toujours en mémoire. En fait, j'avais vraiment apprécié le fait qu'il s'est présenté en premier temps puis qu'il ait pris le temps de présenter les travaux auxquels il était impliqué. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à le contacter pour avoir une possibilité de continuer en maîtrise avec lui. Un an avant la fin de mon bac, là, je me cherchais un prof pour ma maîtrise. Donc, j'ai fait le tour sur le site de l'école, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun, les sujets là, que Eric traitait dans son laboratoire. Donc, je l'ai contacté, puis finalement, je l'ai rencontré en Zoom, puis j'avais vraiment aimé son énergie. C'est quelqu'un de très engagé envers la réussite de ses étudiants, et il est toujours présent quand on a besoin de lui. T'sais, on a vraiment l'impression avec Eric de travailler en une équipe. On sent que notre opinion a une valeur. En fait, je le vois comme un bon leader parce que Eric travaille sur plusieurs projets différents avec différents étudiants de plusieurs domaines. Il est en mesure, en fait, de gérer ces projets-là, mais en même temps de déléguer les tâches à ses étudiants. Donc, les étudiants, non seulement apprennent à travailler sur les projets, mais ils apprennent aussi à apprendre, en fait, à être leader eux-mêmes. Moi, ce que j'ai remarqué là, en Zoom, quand on expose un problème, on voit Eric qui se place de même. Il pense. Puis là, ouais, moi, je pense que, fait qu'il y a comme une position de savoir, là. Fait que peut-être que c'est cette position-là qu'il faudrait prendre si on veut avoir des bonnes idées. Eric a eu beaucoup d'influence sur mon parcours, entre autres, juste par ma continuité d'aller en deuxième cycle, donc de faire une maîtrise mémoire avec lui. Donc, présentement, je suis à ma dernière année de baccalauréat et je travaille en tant qu'auxiliaire de recherche pour Eric. Ce qui m'a amené, en fait, de très bonnes opportunités, de nouveaux contacts dans le domaine de l'ingénierie et plus spécifiquement en technologie de la santé. Puis c'est grâce à lui là, que j'ai trouvé un stage 3. J'ai poursuivi sur le même projet pour mon projet de fin d'études, puis je travaille présentement à temps partiel sur ce même projet-là. Je suis très content qu'Éric ait gagné ce prix. À mon avis, il le mérite amplement. Donc, félicitations à toi, Éric. Bravo, Éric, pour ton prix. Donc, on voit bien que ce n'est pas seulement tes étudiants qui gagnent des prix, mais toi aussi. Puis c'est un prix là, qui est amplement mérité là, pour toute la fougue puis l'enthousiasme que tu nous transmets à chaque jour.